Je pense que les plus observateurs d'entre vous ont dû remarquer une petite différence. Un truc qui saute aux yeux. Bon, après 2 ans et demi de bons et loyaux services, j'ai enfin changé de casquette. Ouais, je sais, la casquette Nike noire que vous avez vue à toutes les sauces dans des dizaines de vidéos a enfin rendu l'âme. Non, pas qu'elle ait rendu l'âme, mais j'ai enfin décidé de la remplacer. Je suis sûr que vous avez remarqué que je l'aimais bien et il y en a même certains qui ont dû se faire la remarque. Ah, Zach, il change pas beaucoup de casquette quand même, hein. C'est un peu un cradingue, hein. Ouais, je suis un peu un cradingue. En plus, franchement, elle commençait à puer un petit peu, tu vois, mais l'odeur de chèvre, mais pas le chèvre qu'on apprécie, genre le chèvre chaud, tu vois, c'était vraiment genre de l'odeur d'entrejambe, quoi. Du chèvre-chatte, ça puait vraiment. Donc aujourd'hui, on va dédicacer cette nouvelle casquette et on va également vous proposer un truc que je vous ai pas proposé depuis quelques semaines. On va aller sur Modern Warfare. Mais on va pas aller sur Warzone, c'est bon, Warzone, j'en ai marre. Warzone, c'est bon là, il faut toujours la même chose. Top of the world, 40 kills avec machin, kilo snipe. C'est bon la flemme. Oh la flemme, c'est bon frère. Donc aujourd'hui, on est sur Warzone et on est sur Warzone PC du coup. Mais sur Warzone, on est en. On est pas sur Warzone du coup. On est sur Warzone à la manette, mesdames et messieurs. Bon, désolé, je faisais des petits réglages. Donc, nous sommes sur Warzone à la manette, hein. Et surtout, on est à la batteuse. Wouhou! Je pense que vous savez que chaque année, j'aime bien vous faire des petits gameplays avec cette arme qui est la batteuse. C'est une arme du diable, hein. Et je me faisais insulter à l'époque Black Ops 3, regarde-moi ça! Je me faisais insulter à l'époque Black Ops 3, tu vois. Parce qu'on me disait, oh, Zach, t'es un bâtard, tu joues à la dague. Ouais, je suis un bâtard. Bien sûr, je suis un bâtard, mais c'est marrant de jouer à la batteuse, franchement, c'est au calme. Ouais, c'est surtout que c'est. Oh là là là. On est en vie, on est en vie, on est en vie, on est en vie. Donc là, pour le coup, j'essaye pour la première fois manette PC. Ça sert à quoi, manette PC? Ça sert à voir la fluidité du jeu sur PC et l'avantage du gameplay manette, parce que je suis bon clavier souris, mais je suis meilleur manette. Mais en fait, le jeu sur PS4, j'en pouvais plus. Comme une meuf qui courbe un peu le dos pour grossir son cul, tu vois, je le trouvais très très rigide, le jeu sur PS4. Enfin, le jeu sur PS4, pardon. Donc du coup, on est là, on essaye. La 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 la. Y'en a au grand top. La 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 la. Les champs du. Tas d'enfoiré! Je suis pas content, regardez, je boude. Je suis double, ok. Hop là! C'est bien la batteuse, hein. Même si on se sent un peu lourd avec, c'est lourd. Bon, je vous ferai pas la blague de on dirait que t'es dans la peau de Zach Nani, c'est bon, hein. Cette blague d'une, je l'ai déjà assez faite. Et de deux, là tout à l'heure, il s'est passé une action dans chez moi, j'ai pas apprécié. Il s'est passé une action, c'est moi, je l'ai mal pris. Il y a ma sœur, elle vient dans ma chambre, à un moment, elle toque, tu vois. Elle toque, elle me dit, j'ai reçu quelque chose. Je dis, ok, très bien, t'as reçu quoi? Et là, elle reçoit quoi? Elle me montre qu'elle a reçu une balance. Tu veux te peser? Mais qu'est-ce que je veux peser? De quoi je me mêle déjà là? Eh, on est où? C'est comment ça? Je viens, tu veux te peser? On parle pas des sujets qui fâchent, d'accord? Bon, du coup, je me suis pesé. Mais c'était fâcheux. Wouhou! Faites sa mère la batteuse! Le sentiment de puissance, on rush, on va avancer, regarde! Wouhou! Ça pour moi c'était du rush, hein. Avancer 3 mètres c'est du rush, hein. Je suis essoufflé. Oula! On a un kill de la dame, donc faut pas qu'on canne là en fait. Et voilà, on a droit aux avons désormais! La dame, mesdames et messieurs, le double qui a été fait de la part de Zach Nani! Le trip de la part de Zach Nani, la série de 10 de la part de Zach Nani. Non, je l'avais pas vu, mais elle est suivie. Du coup, elle vient pour me proposer de me peser. J'étais pas très content. En plus, vous l'avez vu, c'est un peu une troll, quoi. D'ailleurs, je vous remercie, hein, encore une fois, pour la vidéo que j'ai fait sur le repas du Ramadan. C'était lourd. Et en plus, dans vos commentaires, vous avez été majoritairement respectueux. Donc, enfin, même pas majoritairement, vous avez quasiment tous été respectueux. Quasi personne a dit de dinguerie et ça m'a fait très plaisir parce que même, même mon père il a regardé. Même mon père il a regardé les commentaires. Tu te rends compte, s'il avait vu des insultes, il aurait pété un câble. Non, même ma petite sœur, ça lui a fait très plaisir. C'est vrai qu'il y a un petit moment de complicité. Et puis Zach, Zach le cuisinier commence à s'imposer dans vos cœurs. Vous commencez à apprécier ces vidéos comme ça. Donc ça me fait vraiment super plaisir de pouvoir diversifier un peu le contenu et que vous kiffiez comme ça, tu vois. Du coup, ça m'a motivé à réfléchir à d'autres contenus IRL que je peux faire comme ça et que je suis arrivé à plusieurs conclusions et ces conclusions vous allez pouvoir les voir dans les prochaines. Oh là 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 là, je suis dégueulasse. Enfin, je suis pas dégueulasse. Je suis horrible, mais pas dégueulasse.
Hop là, range-moi ce C4, monsieur. Range-le-moi, ton C4. Et donc, du coup, pour répondre à la question qui, je sais, vous intéresse un peu tous, hein, je me suis pesé, et oui, je pèse lourd, j'ai pris un peu de kilos. En vrai, pas tant que ça, en vrai, j'en rajoute parce que j'ai pas pris spécialement de poids, en fait. Je fais à peu près le même poids que j'ai fait en rentrant dans le confinement, tu vois. Et moi, j'ai un peu de chance, là. J'ai un pote à moi qui est coach de... Oh, laisse-moi mon trip, monsieur. J'ai un pote à moi qui est coach sportif privé. Donc je vais pouvoir aller à la salle avant la reprise officielle. Vous aussi, soyez youtubeurs et vivez la vie pleine de privilèges. Alors effectivement, j'avais pas vu le score du poste stratégique. C'est honteux, hein. 100 à 15, tu sens que l'objectif n'a pas été au cœur de mes préoccupations. J'allais dire de mes préoccupations. Oh, la série de balles. Ah, la série de baisers. Regardez-moi cette quad feed. Le quad feed batteuse. Il est où? Il est au grand top, c'est sûr. Genre top, genre grand top. Regarde, je suis genre grand top, je monte au grand top. Je sers qu'à ça, je prends les gens de haut. Genre grand top, on se marre bien, hein. Enfoiré, ouais. Bon, là, on va essayer quand même de passer dans une deuxième phase, les gars. On va essayer de passer dans une phase, gagner la game, parce que... Hop là, un premier game, super. Un deuxième, très bien, ça se passe. Est-ce qu'il y a un Jean Grand Top ici? Oh non, oui, il y avait un Jean Grand Top. Jean Grand Top, on te déteste. Chaud. Chaud. Triple, je reste en vie, super, super. On va reprendre le duel, bien entendu. Oh non, c'est quelqu'un qui a spawn. Il reste plus beaucoup de temps, go dans le poids, go dans le poids, go dans le poids. Ouh, une petite défaite, mais... Oh. Le sujet qui fâche. Zach se plaint souvent que ses alliés ne jouent pas l'objectif, disons que cette game n'a pas mis l'objectif à l'honneur. Bon, 42 kills malgré tout, hein. 42-15. Un petit retour à la PKM, mon gars. Vieille péniche, mode speed de mode de jeu sur les 4 rush, shipment et shoothouse. En fait, oh les arnaqueurs, oh les arnaqueurs. Ils avaient appelé ce mode les joueurs code ne veulent qu'une chose et je crois que c'était déjà la même chose. Alors je crois que dans ce mode de jeu c'était que shipment, mais en fait, vieille péniche, arrêtez. C'est quoi ça? Essayez pas de rendre ce mode noble d'une manière ou d'une autre, hein. Oui, on va là-bas pour extérioriser nos envies les plus pressantes. Tu vois, ce mode-là, c'est un petit peu l'équivalent de la masturbation, hein. On va dans ce mode pour, voilà, tu vois, donner tout ce qu'on a au sein de notre corps. Vieille péniche, comment ça, vieille péniche? Bientôt, ce vieux mode de bourrin, ils vont l'appeler un truc style... Livre noble. Bientôt ce mode de bourrin, ils vont l'appeler un truc stylé encore, tu vois, style noble terrain. Oui, noble terrain, oui. Alors que ça ressemble plus à un jeu de la biscotte collectif, mais bon, ce n'est que mon avis. Ouais, la mise à jour. Bon, il y a une petite mise à jour, là. Bon, j'ai regardé mise à jour des sélections, hein, c'est rien du tout. Tu sais, tu connais la mise à jour qui te met à 19h, qui fait 200 mégas, et puis après tu vas te dire, 200 mégas, qu'est-ce qu'il y a dedans? Ah, apparemment, je ne suis pas le seul amateur de jeu à la batteuse, merde. Ok, on est tombé face à une team de scrub, là je vais me faire défoncer. Là, ça risque d'être chaud. Là, je vous l'annonce. Il y a de la difficulté dans cette game. Et tu sais, mise à jour des sélections, toi t'es là, ok, mise à jour des sélections, ils ont mise à jour quoi dans les sélections? Et puis là, tu regardes, nouveau skin dans la boutique. Ah, d'accord. Et en parlant des skins, là, Activision, bande d'enfoirés, mettez un code créateur! Je veux un code créateur, ça fait 10 ans que je joue à Call of Duty, je veux me faire du bif! Je veux des sous, j'ai vu vos chiffres, bande de arracheurs dedans là. J'ai vu vos chiffres, les transactions digitales, ça marche bien chez vous, hein, bande d'enfoirés. Mettez le code créateur, nous ça fait 5 ans, on fait des vidéos code, on n'en peut plus. On veut croquer dans le gâteau, nous aussi, le gâteau est succulent. Partagez, sortez le gazac de la hesse. Je veux me faire des sous, je veux que les gars me soutiennent. Nous on n'est jamais allé sur Fortnite, on a fait 2-3 vidéos maximum, sinon on a fait du code tout le reste de notre vie. Bon, c'était un cri du cœur, ça va, on rigole un peu. Enfin, on rigole un peu. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oh non, laisse-moi mon trip, monsieur. Ah, mais t'imagines, en vrai, ils nous foutent les codes créateurs. Ah, ça va rouler sur l'or, hein. Là, récemment, tu vois, YouTube, l'algorithme, il a ressorti des vidéos un peu pour tout le monde, tu vois, dans les suggestions, etc. Moi, par exemple, récemment, j'ai eu une vidéo de Skyrose, pourquoi je vis au Mexique. Le
triple. Hop. Quadra. Wouhou, la série de 5 de Zach. Attention, 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 je vais me cacher pour recharger. C'est chaud. J'ai une vidéo de Skyros, pourquoi est-ce que je vis au Mexique? D'accord, super, pourquoi je vis au Mexique, tu vois, c'est bien, c'est marrant de revoir des anciennes avec sa tête de l'époque et tout. Mais frère, s'ils mettent le code créateur, il va refaire une vidéo 2020, hein. Et pas pourquoi j'habite au... pourquoi je vis au Mexique, ce sera une vidéo pourquoi je vis à Las Vegas, mon gars. Il aura trop de thunes, t'es ouf. Oui, alors ici, je vous présente mon appart, je vais pouvoir finir la piscine, merci les gars. Wouhou! On a tous envie d'avoir le traitement de Michou Gaming. C'est fou! Gros, Michou, il a fait des vidéos Fortnite, il a eu des dizaines de milliers d'utilisations sur son code, maintenant qu'est-ce qu'il s'en bat les couilles, gros? Il est trop bien, il est relax dans sa vie, il fait des vidéos totalement autres! La 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 la. Bon, on va essayer de gagner cette game. Premier kill. Deuxième kill. Jean Top, je te déteste! Jean Top, personne ne t'aime! Duel de PKM. Allez, monsieur! Double. Je vous dirai jamais à quel point j'exècre les mecs qui vont au grand top sur Rust. Vous rendez malade. Analyse sociale, mais personne vous aime. Tout le monde vous déteste. Oh là 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 là, ce triple monsieur. Mais je savais même pas que tu pouvais aller là. J'en grand top pour être baisé ta mère. Tiens. J'en grand top. Je dégage. Je me suis tué moi-même. Jean Grand Top. Bon, j'avais dit que j'avais plus joué l'objectif sur cette game. Bah, j'ai peur, hein. Oh, on est passé de 3 à 4, gros. Le glow up, t'es ouf. Bon, et ben voilà, les potes, c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et je vous dis à la prochaine, les frères. Ne soyez pas des Jean Grand Top. Bisous.